Du coup, j'ai dit, on va faire, on va démarrer un circuit, tac tac tac. Trois tours, j'ai dit. Ah oui, il y a 30 secondes de repos entre les tours. Ça, je l'avais pas dit. Ok, on va pouvoir commencer. J'ai bien mis tout ça, tac tac tac. Bon, c'est parti. On part dans 10 et je vous rappelle que le premier exercice, hop, le premier exercice, c'est des montées de genoux buste au sol. Donc on démarre. Soit vous faites que des montées de genoux, soit vous en faites 10 et vous mettez le buste au sol. Hop, c'est décalé. Hop. Donc, on en fait 10. Hop. 20 secondes, vous voyez, ça passe assez vite. Ça va être des circuits assez courts comme ça. J'espère que ça vous ennuiera pas. Ensuite, je vous rappelle, c'est des fentes, on kick, on shot, squat, fente, kick, squat. Si vous trouvez que le kick il est de trop, vous faites juste squat, fente, et vous pouvez ajouter un jump si ça vous fait plaisir. Troisième exercice, les in and out tap push-ups. On pompe une première fois, tape les épaules alternativement, serre les mains, pompe, tape, écarte les mains, pompe. Et après, vous l'enchaînez à votre rythme, sur les genoux si besoin. Quatrième exercice, on passe au sol, c'est les leg raises. En fait, on ne voyait rien du tout. 3, 2, 1. Donc, leg raises. Hop. Donc, je rappelle, vous pouvez mettre les mains sous les fesses. Et le bas du dos est bien plaqué au sol. 3, 2, 1. On termine avec les jump squats, demi-tour, jump squat, demi-tour. Allez, rappel, si vous ne sentez pas les jumps, ne faites pas les jumps. Faut pas se faire mal, faut pas non plus rester trop dans une zone de confort, mais je préfère que pour la première séance, vous y allez tranquille et vous fassiez pas mal. Ok, donc ça c'était un circuit. On va refaire encore deux fois ce circuit. Donc là on a 30 secondes de repos et on repart. Ça repart bientôt. Montez de genoux, buste au sol. Allez, on s'accroche. Comme c'est court, on essaie de le faire bien rapide. 3, 2, 1. 10 seconds rest. Le principe de ce type d'entraînement, c'est que c'est court, mais c'est intense. Et c'est ça qui fait qu'en fait, c'est très efficace. Si vous avez par exemple des objectifs physiques, vous voulez perdre du poids, sécher, c'est très efficace. Là, ici, on gagne bien. On serre bien la sangle abdominale. Regardez l'équilibre. In and out, tap push-ups. Allez. On continue avec les leg raises, les abdos. 3, 2, 1. Exercise 4. Allez, vous vous accrochez. Vous ne faites pas partie de ceux qui se sont connectés
et qui sont partis après 2 minutes. Si vous êtes connecté, c'est qu'il y a une raison. C'est vous voulez faire du sport, vous voulez vous motiver. 3, 2, 1. Personne ne va se motiver à votre place. Donc si vous voulez vous accrocher, c'est là. Ensuite, on est ensemble. On fait ensemble. Jump squat. Demi-tour. Allez. On est dans une super énergie. Ouais, je vous le dis, ce confinement, on va sortir. On va être genre des machines. Prêts pour manger à Noël. 3, 2, 1. 30 seconds rest. Ok. À nouveau 30 secondes. Bon, là, ça bouge plus trop. On est 40, c'est trop cool. Franchement, merci à tous ceux qui sont là. Et oui. Ok. Prenez bien le temps de récupérer votre souffle. On repart dans 5. Let's go, dernier tour du premier circuit. Allez, donnez tout. C'est le dernier tour. Oula, explosif. Squat. Si vous enlevez les pinceaux dans cet exercice, allez au plus simple. Vous faites juste des fentes et des squats. Allez. On inspire, on expire. Les pompes, in and out, tapez 3, 2, 1, exercise 3. Je vous rappelle, vous êtes là pour aller à votre rythme. Si les pompes pour vous, c'est tout nouveau. 3, 2, surtout, 1, vous faites sur les genoux, vous en faites quelques-unes. Et c'est déjà super. On n'est pas là pour se comparer, on est là pour se motiver, avancer ensemble. 3, 2, 1. Exercise 4. Allez. Là, je rappelle, vous pouvez tout à fait faire l'option. Oula, je bug. Squat, demi-tour, squat, demi-tour, squat. 3, 2, 1. 10 seconds rest. Ah mince, j'ai oublié. Bon, fallait que ça m'arrive. Hein. J'ai oublié les abdos. Vous avez dû vous en rendre compte. Bah écoutez, on les fait quand même. Hein. Allez, on s'accroche. On a bien la bonne position. 3, 2, 1. C'est cool. Parfait. Là, votre temps de repos, c'est que je vais vous montrer les exercices du deuxième circuit. Donc tout de suite, je vous montre. On va faire, on se met au bout du tapis, on fait un jump squat, marche, arrive en planche. Là, vous avez option, je fais une pompe, je recule, je me redresse. Et donc, vous n'êtes pas obligé de faire la pompe si vous ne la sentez pas. Donc je vous le montre. Une fois qu'on enchaîne l'exercice, ça donne ça. Hop. On garde bien la... On cherche bien à gainer en planche. Ensuite, on va faire le sprinter. Donc là, le sprinter, on va... Vous voyez là, ma position. On vient toucher le sol avec la main opposée au pied qui est devant. Et hop, on amène la jambe au buste. Donc vue de face, ça donne ça. Ok, ça demande de la coordination. On serre bien les abdos. Donc ça, c'est l'exercice 2. L'exercice 3, c'est pareil de l'autre côté. Sur cet exercice, vous allez bien sentir les cuisses et surtout les fessiers. On enchaîne avec un commando plus spider. Donc sur les mains, on descend au commando. 1, on descend de l'autre côté.
2 et spider, on amène le genou au coude, on amène le genou, notre genou au coude et on repart. Donc là comme ça on travaille les bras, les épaules et la sangle abdominale. 5e exercice, jumping jacks, donc là classique, on finit sur un petit exercice plus cardio. Voilà, c'est le circuit 2, on repart dans 10 secondes, vous avez une bonne récup. On enchaîne. Donc jump squat, 3, marche en planche, 2, pompe pour ceux qui veulent. Exercise 1. J'ai oublié le jump squat, oh, j'espère que j'avais fait. Hop. S'il y en a qui veulent faire la pompe, vous pouvez tout à fait vous mettre sur les genoux aussi. Et ensuite vous remettre sur les pieds. Là ce qu'on cherche c'est vraiment 3, dos droit 2, 1, et gainage. 10 seconds rest. On part sur le sprinter, le côté de votre choix. 3, 2, 1. Allez. Exercise 2. Si vous ne voulez pas faire le petit saut comme je le fais, vous pouvez tout à fait rester sur cette option qui demande du gainage parce qu'il faut être bien, bien gainé pour tenir ici. Et on engage quand même le fessier. 2, 1. Ok. De l'autre jambe. 3, 2, 1. Ok. Exercise 3. C'est reparti. Allez, on s'accroche. Vous allez à votre rythme. Surtout, ce qui compte, c'est de tenir jusqu'au bout. On a ce mindset où on n'abandonne pas. 3, 2, 1. 10 seconds rest. Commando slider. Allez, est-ce que vous êtes toujours là? Oui. Restez là, ceux qui sont là, tenez bon. On descend en commando à droite, on descend à gauche, une fois sur les mains, on amène le genou à droite, puis le genou à gauche, et on repart. Allez. Vous serez fiers de vous à la fin, vous serez fiers de vous si vous tenez cette séance, et les prochaines, vous allez avoir des résultats vraiment de malade si vous vous y mettez. Régulièrement, enfin si vous suivez tous les lives, c'est sûr, vous allez vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus en forme, beaucoup plus dynamique. Vous allez avoir beaucoup plus de force, de cardio. Allez, celui-là, il est simple. On essaie de mettre du rythme. Allez. 3, 2, 1. Parfait. 30 secondes rest. 30 secondes. Allez, continuez, il y en a qui s'en vont là. Ça va pas. Faites pas partie de ceux qui s'en aillent. Hein. De ceux qui s'en... Je sais pas si c'est français. Allez, on repart. Jump. Exercise on descend en planche. Pompe. Allez. Je vous rappelle, c'est une séance difficile, challengeante, c'est normal. 10 seconds rest. Vous n'êtes pas nul, c'est super de faire ce que vous faites au niveau où vous en êtes aujourd'hui. 3, 2, 1. Si vous devez vous comparer à quoi que ce soit, c'est à vous-même dans les prochaines séances. Allez, sprinter, je vous remonte de face. 3, 2, 1. 10 seconds rest. C'est chaud. 3, 2, 1. Allez. Exercise 3. Accrochez-vous. Cet exercice, il est particulièrement coriace, je trouve. Surtout quand on a bien bossé les jambes avant. Ça pique. Commando spider. 3, 2, 1. On descend. Exercise 4. Et spider.
Pensez à bien respirer. 3, 2, 1. Surtout ici dans la position de gainage, on a le bassin en rétroversion. On n'est pas le dos qui sort, le dos creux, les fesses qui sortent, ok. On rentre le bassin, on l'envoie en fait. Hop, jumping jacks. Attendez, je viens de voir que la caméra qu'elle s'est décalée. Hop. 3, 2, 1. 30 seconds rest. Allez, plus qu'un tour. Et on attaque le troisième circuit. Vous voyez là, c'est quand même des petits. Je fais des petits circuits. Comme ça, comme il n'y a pas. Enfin, on répète pas trop la même chose du coup. C'est plus facile, je trouve, de continuer quand on sait que derrière c'est nouveau. Enfin, c'est mon point de vue. Donc n'hésitez pas à me le dire, que ce soit en message privé ou en commentaire, ce que vous pensez de ça. Parce que, bah, voilà, j'ai besoin de votre feedback. Donc, jump squat. Planche, pompe. Les versions des exercices que je vous montre, c'est toujours la plus dure. Donc là, par exemple, la pompe, je suis sûre qu'il y en a plein que vous n'allez pas choisir cette option, mais c'est vraiment pas grave. Je le répète parce que je veux que vous pas que vous pensiez que ce que vous faites, c'est pas bien. Exercise 2. Là, pareil, le sprinter, vous pouvez le faire plus lentement, contrôler pour bien faire le mouvement. Hop. Je contrôle, je serre les abdos, je sens mon fessier. C'est vraiment pas plus mal de le faire comme ça. 10 seconds rest. L'autre côté. 3, 2, 1. Allez. Exercise 3. Allez, accrochez-vous. 3, 2, 1. 10 seconds rest. Commando, spider. Dernier. 3, 2, 1. Dernier de la séance. Avant-dernier exercice. Du circuit. Allez, on lâche rien. 3, 2, 1, 10 seconds rest. Et on part sur les jumping jacks. 3, 2, 1, exercise 5. Là, à nouveau comme tout à l'heure, la récup, c'est je vous montre les exos. Ok, troisième circuit, on part sur... Alors là, pareil, je vous montre l'option la plus difficile. 3 jump squats, j'enchaîne, fente sautée, je reviens, jump squat, fente sautée. Les options intermédiaires, ça va être donc soit faire que des squats classique, donc plus facile. Le plus facile, ça va être de faire que des squats classiques. Fente arrière. Et on repart en squat. Ok. Option intermédiaire. Squat classique ou jump squat. Et ensuite, je fais une fente sautée. Je reviens au milieu. Une fente sautée. Je reviens au milieu. Ok, donc vous allez choisir, vous allez tester, vous allez choisir votre option. Deuxième exercice. On fait des trois... plank jack, donc c'est les jack en planche comme ça, donc on écarte les jambes, on en fait 3, une fois qu'on en a fait 3, si on peut on fait une pompe, même c'est pas si on peut, on l'a fait, et dans tous les cas on se met sur les genoux, ok, enfin dans tous les cas, si vous vous sentez vraiment pas, vous mettez sur les genoux, vous descendez le buste au sol, vous redressez et vous partez, ok. Ensuite, ça va être des jump squats, 1 sur 2, donc on part en squat.
On ramène les pieds au milieu. Comme ça. Quatrième exercice. C'est celui que j'appelle le butterfly. C'est des abdos lombaires plaqués au sol. On vient écarter et serrer les jambes. Donc là, vous pouvez mettre les mains sous les fesses si ça vous facilite l'exercice. Donc là, la clé, c'est la rétroversion du bassin. Et on termine cette séance avec, évidemment, vous me connaissez, des burpees. Donc, burpees, différentes options. Vous avez l'option crossfit, c'est-à-dire je descends carrément tout le buste au sol et je repars. Donc ça, option crossfit. Sinon, vous avez une version où vous faites carrément une pompe. Donc vous reculez les jambes, pompe, je me dresse, ramène les jambes, hop. Et sinon, vous avez l'option la plus simple où vous amenez les pieds vers l'arrière et vous les ramenez entre les mains. Ok? Vous adaptez. C'est parti. On repart dans 10. Pour ce troisième circuit, du coup, je répète, c'est les jump squats sans sauter. Vous faites l'option que vous voulez avec jump ou sans jump. Il faut se dire aussi que ce circuit est un peu plus difficile que les autres parce que c'est le dernier. Donc on donne tout, on se challenge, on est bien échauffé. Maintenant, on n'a pas de risque. Ok. 10 seconds rest. Plank jacks plus push-up. 3, 2, 1. Exercise 2. 3 et pompe. Si vous avez du mal avec les plank jacks, vous pouvez juste taper votre pied sur le côté comme ça. Vous êtes gainé. Et ensuite vous descendez en pompe. 3, 2, 1. 10 seconds rest. Ensuite, les jump squats, 1 sur 2, on ramène les pieds au milieu. Exercise 3. Allez, accrochez-vous. Ces derniers circuits, on part pas maintenant. Là, on est une petite quarantaine. C'est trop cool, c'est énorme. Allez, vous faites partie de ces 40 qui se dépassent avec moi, qui sont à fond, qui sont motivés pas que le premier jour, mais même pour les prochains lives. Vous allez voir le progrès, comment ça motive. Et comme vous allez voir les progrès, vous allez voir les progrès, c'est sûr, si vous vous accrochez. Et après, vous allez rentrer dans cette spirale positive, vertueuse du « vas-y, je progresse, ça me motive, je continue ». Et c'est ça qu'on veut chercher. 3, 2, 1. 10 seconds rest. On termine avec les burpees. 3, 2, 1. Je remonte. Soit vous reculez juste les jambes. Soit vous amenez juste au sol. Soit vous faites une pompe. Allez. C'est que 20 secondes d'exercice. 3, 2, 1. Super. 30 seconds rest. Parce que deux tours. Allez, dans 15. Dans 5. Allez, on repart avec les jump squats, fente. Exercise 1. Surtout, écoutez votre corps. N'allez pas trop loin. Si vous ne le sentez pas, si vous avez par exemple des fragilités au genou, c'est là qu'il faut faire particulièrement attention. On évite les impacts. Plank jack. Exercise 2. Et pompe. Allez. Three,
les jump squats. Je vais relancer. Continue. En fait, j'ai une caméra qui s'arrête toutes les 15 minutes. Du coup, faut que je m'assure que ça coupe pas. Au sol, butterfly. Allez. Tenez-vous. C'est super ce que vous faites. Exercise 4. Donc là, hop, vous voyez mieux sur Insta. Surtout, on garde le bas du dos plaqué au sol. Et on termine avec les burpees. Hop, allez. On se prépare, on est à fond. Exercise 5. Surpassez-vous. Après, reste qu'un tour. Là, on donne tout, là, c'est la fin. Au bout. Allez, on est toujours 40. C'est bien, je suis fière de vous. J'espère que vous êtes fiers de vous aussi. Allez, on repart bientôt. Jump squat front. C'est la fin. On est à fond, on lâche rien. Trouvez du plaisir à vous dépasser. C'est hyper gratifiant. Soyez fiers de vous à la fin de cette séance. Et surtout, gardez en tête que le progrès demande de la patience et de la régularité. Je vais que le répéter. Mais parce que j'ai trop envie que vous ressentiez ce que ça fait de se voir progresser. Et que ça vous motive à rester dans cette dynamique sportive pour votre bien-être. Accrochez-vous, bientôt la Three, fin. 2, 1, 10 seconds rest. Plus que les burpees. 3, 2, 1. Challengez-vous sur ce dernier exercice. Exercise 5. Donnez le meilleur de vous-même. Bravo, c'est génial. Vous êtes venu à bout de ces trois circuits. Mais surtout, ne partez pas, parce que j'ai une petite surprise pour vous. C'est pas fini, hein. Je sais, mais c'est pas... un petit truc pour toi. T'en es bien, comment on rentre? Mais attends, mais c'est pas fini la séance. C'est pas fini. C'est vrai? Oui, c'est pas. Il reste un exercice encore? Oui, il reste. Allez, vas-y, circuit surprise. Un coup? Il reste un circuit surprise. Ah! On va savoir! Bon, mais je crois que j'avais une surprise, mais bon.
Bon, bah du coup, il y a quand même un circuit surprise. Et on va faire un petit tabata abdos. Parce que c'est la fin, mais qu'on a encore l'énergie pour faire des abdos. Vous inquiétez pas, ça dure que 4 minutes. C'est le principe, c'est un vrai tabata. Un tabata, ça vous fait 20 secondes d'exercice, 10 secondes soit de repos, soit dans notre exercice. Et ça, on le fait pendant 4 minutes. Donc nous, désolé, là, je... Nous, ce qu'on va faire, ça va être un tabata. On va rester 20 secondes en gainage. Et les 10 secondes après, on se tourne vite. Sit-ups, c'est-à-dire des crunchs où on se redresse en entier. Ok? Donc on fait ça tout de suite. Alors, attendez, je dis. Hop, on fait ça. Je vais y aller. Je casse un peu le rythme là. Surtout, vous partez pas. Hein. Surtout qu'en plus, après, j'ai une surprise. Donc, je suis sûre que vous êtes curieux de voir ce que c'est ma surprise. Donc, 8, tac tac tac. Allez, on part dans 10. Comme je l'ai dit, 20 secondes de gainage sur les coudes. Et ensuite, 10 secondes de sit-ups. Et on enchaîne. Il n'y a pas de temps de repos. Mais vous allez voir, ça se fait. Vous êtes là, vous êtes avec moi, on est ensemble. On est 40, tous motivés, on se voit pas, mais on est ensemble. Et c'est ça qui est génial. Donc là, surtout, la position du gainage, on n'a pas le dos creux. Hein, c'est comme je le disais tout à l'heure. On a bassin en rétroversion, on baisse les fesses. Donc là, on change tout de suite. On tient sur le dos et on fait des sit-ups. Et quand on est en haut, on a le dos vers moi. Hop, allez, c'est court, et on repart. Donc en gros, on va faire ça 8 fois. Allez, vous tenez. Le gainage, c'est excellent pour plein de choses. On enchaîne. Sit-ups. Allez, on donne tout. 3, 2, 1. Exercise 3. C'est reparti. Surtout, vous lâchez pas maintenant. C'est le challenge de fin. Préparez-vous à ce qu'il y ait régulièrement des petites surprises à la fin des séances. Ce ne sera pas forcément des tabata. Mais j'ai envie d'instaurer des nouveaux petits trucs. 10 seconds rest. Allez, on repart. Je suis dans le même bateau que vous. Allez, là vous êtes en train de vous dire que vous me détestez, mais non, à la fin vous allez voir, vous allez être très content de vous. Allez, on a fait la moitié, à la fin de ces 10 secondes là, on a fait la moitié. Allez. Restez. Là, je sens, je suis sûre qu'il y en a qui sont bons là. Qui arrêtent. Non. On est tous sur le tapis là. Allez. 3, moi aussi, j'ai mal aux épaules. 1, aux abdos. 10 seconds. Comme vous. Mais on continue. Moi, ce qui me motive, c'est de savoir 3, tous les gens qui 2, sont là 1, à faire ce live. Exercise. Jamais on lâche. Allez, venez chercher cette énergie au fond de vous là, qui vous permet de vous surpasser, de vous dire c'est dur mais je continue. Le mental il est plus fort que... Le mental est plus fort. 3, 2, 1. Allez. 10 seconds rest. Après celui-là, il en reste que 2. Déjà que 2. 3, 2, 1. Allez, on tient. C'est l'avant-dernier. 3, 2, 1. 10 seconds rest. Lâchez pas. 3, 2, 1. Allez, c'est le dernier, quelques 30 secondes d'exercice. Et après, vous allez finir. Après, c'est promis, il n'y a plus de surprise. Allez, 10 secondes de gainage. Allez, on tient. 3, 2,
1. Et on termine les 10 secondes. Finale de sit-ups. Allez. Bon, en fait, le chrono, il s'est arrêté. Mais c'est fini, voilà. Bravo tout le monde. Bon, je viens de checker. Est-ce que... Bon, ça va, vous avez été... Vous êtes endurant. C'est bon. Bravo tout le monde. J'espère que ça vous a plu. Surtout, pensez à me dire en commentaire, en message privé, toutes vos remarques pour que je puisse améliorer les séances et que je propose quelque chose qui vous plaît. Vraiment, qui soit sur mesure, quoi. On peut le dire. Oui, c'est bon. Tu filmes là ? Bah oui, c'est tout, t'es sur live là. Tiens, Lucille. devant tous tes fans. De la part des confinés de la première heure. Oh, c'est trop mignon. Oh, c'est trop chou. Oh là là, mais vous êtes fous. Bah genre j'ai 150€ Gymshark, je prends. Mais vous êtes des fous, mais c'est trop bien. C'est tout le monde, hein. C'est, ouais, c'est plein de gens qui ont suivi tes lives. On te laisse savourer ton petit cadeau devant tes abonnés. Ah mais non, alors là je peux... En vrai je pense que j'aurais pas cassé la surprise tout à l'heure. J'aurais eu plus d'émotions, mais là je me suis trop préparée, mais franchement c'est beaucoup... C'est beaucoup trop bien, beaucoup trop... C'est beaucoup trop touchant. Genre... merci vraiment à tous ceux qui... Merci à tous ceux qui ont participé, qui...